kakate osi obandi lisusu polo polo kanga kamote mata mokolo moko olingi kaka sebo mengo ya Kongo oko kufa polo 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 tika 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 koka bula Kongo likambo oyo soni ya barwande oko sambo polo 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 besi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba oko simba touche avoir conscience que nous viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé. Deux vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech, innovation. Belcotech, construction. Belcotech, installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech, construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech, innovation au service du peuple congolais. Le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao, c'est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable.
originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHelps Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com.
Alors, Bozan a raison. Est-ce que maintenant, le son est bon? Est-ce que maintenant, le son est bon? Est-ce que le son est bon maintenant? Dites-moi, est-ce que le son est bon? Apparemment, il n'y avait pas de son. C'était quoi le problème? Il n'y avait pas de son. Maintenant, le son est bon? Ok, ça va maintenant. 5 sur 5. Très bien. Alors, je vais voir. Je vais voir la partie du début. Zalaki, il a habité son et qu'il y en a qui va, puisque c'est le même son ici. C'est le même micro. Mais j'ai les retours, c'est bon. Le son est bon. On me dit que le son est bon. C'est bon, le son est bon, non? Oui, mon son est bon. Ah, ok, maintenant, on me dit que ça va. Waouh, c'est bon. Merci maintenant, c'est 10 sur 10. Merci beaucoup. Alors, maintenant, toi évolué, toi avancé. J'étais en train de dire, oh là là, donc tout ce que j'ai dit, Boyokingaïté. Oh. Bon, on va reprendre. On va reprendre. Je disais, nous avons trois dossiers aujourd'hui. Les dossiers, il y a Vladimir Poutine, un mandat d'arrêt lancé contre lui. Alors, nous nous interrogeons sur ce mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Et nous nous disons, est-ce qu'il y a une différence? Ah, Ndekonanga Lobby Bandela, Nazo Bandela. Est-ce qu'il y a une différence entre Vladimir Poutine et Paul Kagame? Puisque Vladimir Poutine est poursuivi aujourd'hui pour crime contre l'humanité. Est-ce que Vladimir Poutine est différent de Paul Kagame? Dans cette émission, nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça et nous allons peut-être démontrer que Paul Kagame est pire, loin même de Vladimir Poutine. Je vais vous montrer ça dans cette émission. Mais dans cette émission, nous allons également parler de la loi Tiani. Loi Tiani, est-ce que Zalaki est enterré? Est-ce que Toyoki na États-Unis, Bakangiye, Toyoki, donc beaucoup de problèmes. Non, traduit en justice, beaucoup de problèmes. Je vais en parler aujourd'hui. Et puis, nous allons voir où est-ce que nous en sommes avec cette loi. Et pour la dernière fois, nous allons peut-être pour un autre thème, un autre sujet sur lequel nous allons encore nous retarder un peu, c'est la situation qui se passe dans les grands Katanga. Dans les grands Katanga, ça ne marche pas. Il y a des images horribles qui me parviennent. Je ne pense pas que je vais vous montrer ça. Mais on va parler d'aujourd'hui, de ça aujourd'hui, puisque moi, rebondissement, Isali, dans les dossiers, il y a des nouveaux éléments. Alors, nous sommes obligés de partager avec vous. Waouh! Donc, sans problème à Kinshasa. Sans. Donc, jusque-là, les sons posent encore problème? C'est pas possible. Ok, alors. Dites-moi, est-ce que les sons posent problème encore? Sans. D'accord, comme ça, on fait ceci. Laissez-moi. Mais je vois les sons qui n'a pas de problème. Les gens me disent 5 sur 5, d'autres me disent non, c'est 0 sur 5. Ça va. C'est bon. 100%. Alors, ce qu'on a connu, Mélanie. 5 sur 5. Alors, ce qu'on a connu, Nani, puisqu'il y a des gens qui disent son est athée. Non, 100, 5 sur 5. Ok, alors, comme ça, on avance comme ça, non? On avance avec les sons, sons et bien. Ok, sons et bien, 20 sur 20, it's good. Ok, comme ça, évoluons comme ça. D'accord. Alors, j'étais en train de dire, chers amis, peut-être pour commencer avec cette émission, je reviens par rapport à cette question, j'en ai parlé la fois passée. Nayoka ki bande komo ko ba bengingai balobi honoré ezana bande kona yokuna ba bunde limbongo pourquoi zo lobela bango te il faut ko lobela bango si réellement toi tu es un journaliste juste lobela bango na lobaki awa na lobi je ne souhaite pas bo o impliquer ngai na makambuya ya bande ko sur le plan na vie na bango privé na kota. Mais j'avais confiance que cette histoire-là, et quoi que ça là, qu'on soit bien. Parce que même s'il y a des endroits où, les malheurs des uns, ceux qui battent ma soigne, il y a des autres qui se frottent les mains.
Il s'agit, il y a Ndeko Stéphane Balamongue et puis Pasteur Guili, des gens que j'ai toujours considérés. Cette photo, ces deux personnes nous ont surpris tous. J'ai beaucoup de considération envers ces deux frères qui font le même travail à défense de la patrie, Ndenge na Salaka Yango. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, il faut l'obéla Yango, sinon, vous êtes tous taliban, vous ne voulez pas, nous on te croyait. Les gens voulaient que n'a dénigré Bandekoyu. J'ai trouvé que ce n'était pas... Je n'étais pas dans l'obligation de le faire pour la recepelisa bande comme soussou, mais j'avais espoir, confiance, na grandeur il y a deux personnes. Chers amis, naïbi que tout sur la rapendate, mais je suis content que Oyonga na tikala ki na lobby, je sais qu'ils vont se retrouver, ils vont se parler, et exactement c'est ce qu'ils ont fait. Je suis fier de les voir ici. C'est une photo. Quand ils ont repris leurs activités, Koyo, Gosolana Bango, ensemble. Si nous faisons un média, les lots, tous les réseaux sociaux, tous les médias, il y a un monde à la chaîne, nous sommes à Kinshasa, dans la République, nous sommes à la chaîne, comme ça, comme un sujet à moquerie, nangai. Évitez cette chaîne à niveau 1. Évitez cette chaîne. Qui de vous, n'a pas été à la chaîne, n'a pas été à la chaîne, qui de vous va soana ba bunda ba tira la kozonga na te? Alors nayoki dossier ya ba ndeko mi balé, c'est toute la planète qui est ils sont forts hein, parce que ils ont fait parler même de ba lobby. Alors je suis content parce que vous avez dépassé Bokeyi au-delà de tous vos intérêts, au-delà de tout, pour montrer que il est toujours possible. L'obito soigne, les lots ont refait la vie, tout marché, les sous sont ensemble. Félicitations, Nabandekoyo, et je suis content, et je pense que la confusion est totale dans les camps de ceux qui pensaient que Bandeko va retirer la libella, séparé pour toujours. Félicitations, Nabandeko Guili, félicitations, na Stéphane Balamongue, et les dossiers, l'âge de guerre a été enterré, et les dossiers a été tourné, c'est une belle page qu'il ouvre pour évoluer encore ensemble. Merci beaucoup. Et je pense que j'avais raison de ne pas entrer dans cette histoire malgré la pression des autres personnes. Dans la vie, il ne faut pas aussi être pressé. Au côté de la pressée, na Sony et le Moro Bolobi. Qu'est-ce qui m'a poussé na Kotaneli Solon? Bon, voilà. Alors, parlons de la République démocratique du Congo. Tobanda, d'abord, na dossier Noël Tchani. Noël Tchani, Toyokawa, plainte, cette fameuse plainte, on a la Kisibinoa. Noël Tchani, on a bloqué que plainte, on a donc loi Tchani et les KT, proposition, on a les KT. Vous avez même suivi cette plainte d'une ONG américaine qui serait à la base, et nous nous sommes interrogés sur quelle est la valeur d'une ONG. Il y a qu'au Vanda, côté qu'à l'activité Nyonso, côté qu'à tous les pays de la planète, côté qu'à tous les 54 pays de l'Afrique, qu'aucun d'actifs n'a RDC, qu'aucun n'aurait un individu pour les traduire en justice. Pourquoi il a fait une proposition d'une loi? C'était cette histoire, c'est communiqué, monté par quelqu'un moins intelligent. D'abord, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, communiqué, Zanga signature, communiqué, Zanga adresse, communiqué, Zanga. Donc, sur les plans formels, sur les plans fonds. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Mais nous avons constaté qu'il y a un problème. Nabandekoyo, Balingite, Loi Tchani, Eleka. Proposition, il y a Tchani et Leka. Puisque, et comme loi, ceux qui déjà ont adopté Yango. Jusque-là, ils ont d'abord des propositions. Mais nous voyons une structure sur base d'une proposition donnée. On traduit les messieurs en justice. Pourquoi tu as fait cette proposition? Est-ce que vous pouvez croire, vous pouvez imaginer ça? Et j'ai vu beaucoup de gens, et si c'est un message que je donne, Nabar communicateur et ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi. C'est une honte.
Vous êtes en train de réveiller même les chats qui dorment. Même s'il y avait des gens qui n'avaient pas une idée sur la loi Tiani, aujourd'hui, là, ils veulent en savoir un peu plus. Et puis, les batailles, tractation, pression, bozo et anango à droite pour étouffer la loi. Et bien, il y a que non, mais pourquoi ils peuvent être comme ça? Qu'est-ce que cette loi dit? Et l'air va expliquer, bah, loi, bah, bien, ah, oui, nous devons soutenir ça. Donc, c'est vous, El Moko, qui faites, l'inon de Bosa la Tiani Azala. Bosa la Tiani Azala. Tiani, on a ce qui paraillette. Mais peut-être, loi, n'a mini toto, et bite, ce qu'on a qu'on a l'andéin. Mais maintenant, et comme il est comme un Congolais, Ming, pas même 100%, je peux dire même 70%, bah, ça pour cette proposition de loi. Bon, mon, que, binon de Bosa li, alors, loi, tractation en Aïbandi, et finalement, Lelo Noël Tiani était au Parlement avec un Ting Pouloulou qui a accepté comme député. Il y a Ozoa Loana, comme Mango na Parlement. Naïvi que ba loi est belé, et koya na mandature, et koya, t'orosa na ba député à solo, ou ba rosa la souk, ba lati le kambou. Net in Ting Pouloulou, je remercie in Ting Pouloulou en passant, qui a accepté cette proposition de loi, et ça a été déposé aujourd'hui. Écoutez un extrait, je reviens à vous. Donc, dans cette rentrée parlementaire ici, je pense que peut-être la loi Tiani va être abordée. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Et il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelle est la teneur du message que nous lui avons donné? Je vais lire grosso modo, en résumé, ce qu'on lui a transmis comme message. On lui a dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous sommes la force du changement, FDC en sigle, un parti politique créé par arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Notre parti politique a comme vision de développement le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous militons pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources minières. Nous luttons aussi pour la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Et nous avons expliqué que par développement économique et social avec équité, nous entendons un développement économique qui profite à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. Pas simplement des histoires qu'on nous présente donc dans les chiffres du cadre macroéconomique, mais nous voulons que ce développement économique se traduise par l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuple congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unie et indivisible. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote. Voilà, là vous venez de suivre... Vous venez de suivre cet extrait. Effectivement, la loi a encore été déposée aujourd'hui. La proposition de loi a été déposée aujourd'hui au Parlement. Et nous espérons que cela fasse lieu d'un débat dans cette session.
Est-ce que la loi a été reçue? Mbosonko Diapwanga, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Il a quand même rassuré par rapport à cette loi. Juste un extrait du président de l'Assemblée nationale. Recevoir la proposition de challenge pour la deuxième fois que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables. Voilà. Il dit, il a reçu la loi. Il a reçu cette loi pour la deuxième fois. Il promet faire rapport aux députés de manière fidèle. Mais je me pose la question. Ces députés, bah ça la bino un rapport wana. Bon le bakanin, bon rejeter loi wana est bien été. Tout bon peut sa réponse nin. Papa Mboso ya pe koyeb sabiso quand vous avez présenté ça aux députés, bah boy yango ponanin puisque toyo kaka. Oui, j'ai reçu, je vais déposer ça aux députés. Bon tika la ko bete le biso le soloté. Quelle était la raison fondé ou évoqué par les députés la fois passée pour que loi et les catènes à débat. Hein? Dites-nous, cette fois-ci, PIEB Service, que tel jour, la communication rassure, monsieur le président de l'Assemblée nationale, la communication rassure et les silences inquiètent. Comme vous avez annoncé que vous allez présenter ça aux députés, revenez vers nous pour nous dire j'ai présenté ça. Il faut tout qu'elle a vraiment informé. Hein, minute par minute, de l'évolution de cette proposition au Parlement. Ça nous divise. Les lots, tokomi ba ennemi, pour rien, Bosso Mabissom. Hein, monsieur le président Bosso, j'ai beaucoup de respect envers cet homme sage. Je pense que vous allez nous présenter les résultats. Et les députés là, quand on va vous présenter cette loi, Boboy ko aligné yango, na lingi bosa la pe ba émission na ba chaîne na bino, vous expliquez biso loi oyo bo proposer yango, yanting pololu. Boboy ko aligné yango pour quelles raisons? Et quelle est la matière la plus importante au Jésus place il y a loi oyo? Loi est comme moins important ou moins importante? Matière wana est comme importante pour que bo privilégier matière wana na détriment il y a loi. Il faut nous expliquer tout ça. Papa Mboso, j'ai confiance. J'attends impatiemment la suite. Yo wana ozana loi na maboko. Loi wana, chers amis, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne parle pas seulement de la protection de certains postes ndenge tolobaki yamboka que ils la réservé aux Congolais de père et de mère. Loi wana ezana makambo ebele et en même temps ezolobela irrévocabilité de la nationalité congolaise. Loi wana ezolobela que on ne peut pas donner la nationalité congolaise aux pays limitrophes. Il y a beaucoup de choses et même d'autres sont en train de se coller même à la situation où tous vivre en heure de ce maintenant. Que plus on a donné la nationalité dans un pays tel, et voilà aujourd'hui, tout le monde est confondu. Il est voisin, tantôt il est congolais, et dès qu'il retourne dans son pays juste à côté, il devient un citoyen de ce pays-là, confusion totale. Cette loi n'a pas que des pères et des mères. Il y a beaucoup d'autres dispositions. Les députés, si vous êtes là pour travailler pour l'intérêt de ce pays, s'il vous plaît, alignez cette loi, mettez un débat télévisé, retransmission, il y a débat et on a, comme ça tous les Congolais sont suffisamment informés, totalement, beni n'est-ce pas dans la loi, malamouni n'est-ce pas dans la loi. Donc voilà un peu ce que je peux vous demander et je pense que vous allez nous écouter pour aujourd'hui. Chers amis, puisque nous parlons de cette loi qui a été, il y a Ensemble pour la République, qui croyait que, Moïse Katumbi Loawana, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. Ces gens-là, tout le monde a compris que Tiani, un Américain, Tiani, pour qui il veut se prendre, pourquoi il peut proposer ça? Pourquoi il peut proposer ça? Donc, dans ces pays, il y a des gens. Il faut que tu leur demandes l'autorisation pour proposer quelque chose. Si tu proposes sans leur accord, tu deviens ennemi. C'est exactement avec ce qui se passe dans la loi Yatiani. Nous sommes au Katanga. Au Katanga, j'ai parlé d'ici là. Il y a Masolo, il y a Thuery Ezo Salema, Ming na Katanga, et Yebanite, mais
Lelo, dans cette vidéo que je vous mets, il y a un nom de quelqu'un qui est cité. Ce n'est pas moi qui cite ça. Il y a un nom de quelqu'un cité dans cette vidéo. Namini Toyo, il y a toute une manifestation, Bandekoya Lubumbashi, Botindelinga Nanu Imagité, manifestation contre les auteurs de tout ce que les Lushois sont en train de vivre depuis maintenant 2 mois ou 3 mois. C'est notamment Thuery Wana, c'est notamment Bakeiko bloqué Masango na Zambi et il y a les sous-soutés na Katanga comme ça moto epela na Katanga ba population ba finga Félix Tshisekedi et tous ceux qui dirigent la ville de Lubumbashi et les autres, notamment Jacques Kabula Kato. Chers amis, la politique c'est elle m'a coupé na lobaka na kota vraiment na politique na banda osala biloko a boy. Je ne crois pas que ma politicien est mon côté là, puisque ma camouba salaka n'a évité ce qu'il y a ma rolim sabao. Alors, j'ai une vidéo, je vous montre cette vidéo. Et dans cette vidéo, il y a un nom de quelqu'un qui sort. Écoutez ça et je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Écoutez un peu cette vidéo. Via matendo yake mubaya, via politique yake mubaya, anaanza kuwa bantu, anakomandite bantu. Beko nenda na kuwa bantu mgolf jiji, na yeye tunamuyua ni baba Moise. Ata kukote kumapembeni kuma village, anamujua. Tuo bitendo yake, anakata mikono ya bantu, anatosha maya mumancho ya bantu. Sasa shie, patoku ya golf jiji, Alors, je pense que vous avez suivi un nom qui est cité là-bas. Moi, je le cite au conditionnel, mais tout le monde qui nous contacte, nous parle, nous cite Moïse Katumbi Tshapwe impliqué dans cette histoire. Tout le monde qui nous contacte, c'est pas moi. Je dirais en français, Moïse Katumbi serait impliqué dans ça. Est-ce qu'il y a eu une accusation gratuite? Puisque quand je dis serait, c'est au conditionnel, on n'a pas encore de preuves. Mais une chose est vraie, que si ce genre de plan se font, c'est triste. C'est triste puisque la province, Bozotia, moto na province, ya Katanga. Alors, ce qu'ils allaient là, que, d'où évoluer na niveau, ya Ndengwana, ils ont vraiment passé. Puisque, et aussi mbate, que, sur base, y'a pas intérêt na bino, les lots province, c'est comment, na moto, ya Ndengwana. C'est pas vraiment bon. Et on doit arrêter avec cette histoire-là. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Marche les lois Salemikuna. Je pense que les gens vont nous donner, nous partager des images et nous allons aussi vous les partager, peut-être lobby ou les jours suivants. L'opposition politique, c'est toujours, est en train toujours de s'organiser. L'opposition pousse toujours, bouscule toujours Félix Tshisekedi pour organiser des élections. Et la personne maintenant qui a pris le devant après Moïse Katumbi, après Martin Fayulu et l'autre, c'est Frank Diongo. Frank Diongo Chamba. Frank Diongo a fait une sortie et dans cette sortie, il déclare et dit, il ne donne aucune chance à Félix Tshisekedi
de ne pas organiser des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en décembre. Franck Diongo dit non. Franck Diongo dit, il n'y aura aucune minute, aucun jour accordé à Félix Tshisekedi pour glisser. Une déclaration normale d'un opposant, même s'il a commis peut-être l'opposant, il y a Félix Tshisekedi, mais nous savons comment il est devenu opposant. Yango le moko tozo le baba opposant ngo. Est-ce que tozo comme baba opposant? Kapona ko comme baba opposant ou opposant avec une idée claire, bien déterminée. Voilà, je deviens opposant sur base de X, Y, Z. Yaye qui opposant na ye, aye ya opposant puisque babo ya ki kope sa ye poste. Nazana dossier wana. Babo ya ki kope sa ye poste. Et puis bazaki en conflit sur un carré minier quelque part et s'imbite à perdre. Nde a tombo qui a commis ce bateau nyon sur le régime ou ennemi na ye. Elle m'a retourné par la paix vérité na bateau tout bas. Tokoum baga loko la ba meme. Franck Diongo Chamba, un homme que j'apprécie. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de dire aux Congolais pourquoi vous êtes devenu opposant à Tshisekedi? Tokoloba, tout ce que vous faites est dans les bons. Tout ce que vous faites, vous êtes un homme honnête. Si réellement, si essentiellement, si. Franck Diongo Chamba, vous êtes un homme honnête. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais depuis quand? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ennemi à Félix Tshisekedi? Les jours où vous, je vous les dirai, Nalobi, ba Congolais en RDC, nous avons quand même des politiciens honnêtes. Dans ce monsieur, bon en fait, il est opposant, on accepte son statut d'opposant, et il ne jure que sur les élections. D'accord, une très bonne chose. Mais ici, je dois dire, monsieur Franck Diongo, je connais Franck Diongo, je l'ai interviewé, j'étais encore très jeune. Je l'ai interviewé à l'époque, Bazaïka Nassimaya, vieux Tshisekedi Boy, Nassima Simaka, je crois il y a 15 ans ou 20 ans, je lui ai posé la question. Et aujourd'hui, il est opposant. Franck Diongo, je dois peut-être... j'ai fait une émission ici hier. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté. Mais je pense que si vous poussez Félix Tshisekedi aujourd'hui à organiser des élections, vous êtes en train de dresser pour lui les tapis rouges. Vous êtes en train de l'aider à asseoir sa légitimité. Je ne pense pas que même Franck Diongo, tel que vous êtes là, Félix Tshisekedi organise des élections maintenant. Et il est le père. Je n'ai pas encore un élément, un indice clair qui peut me pousser à dire que Félix Tshisekedi peut organiser des élections aujourd'hui et les perdre. Nazana na indice te. Peut-être, Togo sa la émission d'Ingwana, peut-être Franck Diongo a l'accès que comment il va reprendre le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, par quel miracle, et qu'est-ce qui poussera les Congolais à abandonner Tshisekedi et à aimer Franck Diongo, avec qui les Congolais bafandi autant, bayebi position naye. Je ne pense pas. Je pense que ce que peut-être Franck Diongo est en train de faire avec les autres, c'est ce qu'on appelle du populisme. Vous n'avez pas vraiment bien géré cette question-là. Le bien à la Kisak Binora, les provinces du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri, il y en a 5. Bah, Pessi, Félix Tshisekedi, 100 000 $ y a caution. Est-ce que vous avez interprété cette histoire-là? Et j'ai vu la cotisation même des personnes de la rue qui ont cotisé. Non, je cotise pour que Fati Azoa, Ambongo et Akokendro se présentent à l'élection. Et je me demande ce que cette histoire, Basalangona. Je pense que l'élo et Kogai Kozala au Pessimo en Baboui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir ces gens? Heureusement que Salemi côté à nord. Ce que Salemi à côté a pouvoir en haut, même ceux qui ont été en élection, ce sont ces gens-là qui vont voter pour lui. Mais ici, c'est autre chose. Alors, moi, je pense que c'est bon, tout le monde peut rêver. Franck Diongo, peut-être qu'il deviendra président de la République en décembre. Attendons voir et
nous lui souhaitons une très très bonne chance. Chers amis, l'Angola vient de confirmer l'envoi de ses troupes en RDC. Dossier Zalaki n'a parlement angolais. Je dois avoir de liens et des photos. Je ne sais pas si je peux retrouver ça très rapidement. Puisque Utukoko Melangaika Sikoyo, je vais voir si je peux télécharger ça. Alors, l'Angola accepte, les parlementaires acceptent d'envoyer l'armée angolaise en RDC pour venir assister ou accompagner la RDC dans le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. C'est notamment Esika Bakokene cantonné M23, comme ça. Oh, Diongo Longwa, Diongo Aza Kote Angola, donc je ne pense pas que c'est bon qu'il reste sur l'écran. Alors, je disais, les parlements angolais, Balekina vote. Les Balekina vote. Qui sont pour que la RDC, non, l'Angola envoie des troupes en RDC? C'est tout le monde, il n'y a pas eu d'abstraction. D'abstention. Voilà, c'est comme ça. C'est tout le monde. Alors, et là, c'est vraiment en pleurs, il y a situation, la manière dont l'Angola considère cette situation. Pas d'abstention. Alors, je me suis dit, ça, c'est un très bon signe. Alors, l'Angola va envoyer ses troupes dans le cadre, il y a RDC. Je pense que ce n'est pas aussi mauvais puisque l'Angola nous a aidés en 1998 quand les mêmes Rwandais ici voulaient faire la guerre à Kinshasa, faire tomber la ville de Kinshasa et prendre le pouvoir à partir de Kinshasa. C'est ce qui a poussé. Attention qui bazalaka na courage. Rwanda zalaki déterminé à son pouvoir à partir à Kinshasa en tuant Muzé et puis prendre le pouvoir. Parce que quand on fait la guerre, par exemple, à Goma, c'est pour prendre Goma. Quand les Rwandais sont sortis, à Goma, à Kinshasa, en 98, c'était pour neutraliser les institutions et prendre les contrôles de la République démocratique du Congo à partir de Kinshasa. Mais, à Congolais, à l'époque, on a coupé les réseaux sociaux, ils allaient quitter. Tout moyen de communication, ils allaient quitter mon boulot. Les Congolais se sont pris en charge. Je me rappelle, et pas il y a, j'étais chez ma sœur, jour moro tozaki na Bekatef, quand tous les autres Rwandais, tellement que monte les kaki bango, bakoma ki ba fou, bakoma ki ba msusu. Et j'ai vécu même à des scènes horribles. Oh, penda ba latisier penda ne so qui disent. Et les gens disent, non, le colo yango est très bas, c'est la montre. Oh, Moussapi yango est très. Je pense que cette période-là, c'était un message clair de Congolais au Rwanda, mais bayo kakakate. Donc, nous avons eu l'appui, il y a Zimbabwe, il y a Namibie et l'Angola. Dans le cadre, il y a SADC. L'Angola avait pris le contrôle. L'Angola, c'est un partenaire fiable d'après tout le monde, puisque. Nous avons soupçonné qu'il était dans le bouzo, qu'il était au Kende, en même temps, tout détruire le bango. On ne connaît pas l'Angola dans ces histoires-là. Mais les pays à l'Est, ils sont très solidaires et la plupart sont des nilotiques qui sont solidaires entre eux. Et voilà pourquoi parfois les choses patinent, les lois et tamboli lobby et simité. Ainsi de suite. Mais nous autres, nous avons confiance na Koya ya Angola. Mais en même temps, l'Angola arrive. Donc l'Angola arrive, j'ai des précisions que leur mission va être pour 12 mois. 12 mois. Mais peut-être l'armée kenyane a kolongo atiki Angola nanu azo salamusala. Merci beaucoup à notre frère Kongolobanza qui nous a donné $10 américains. Merci beaucoup, cher Kongolo Banza. Que mon Dieu vous bénisse. Tobeta Masolo et Angola. Na Rwanda et Sikanini. Toko Kuzuela.
Rwanda tokukuta na yata na couloir moko boy. Couloir ekoza la peut-être ya. Tokukuta na wapi? Puisque en dehors de ce que les Rwanda et l'Angola, que l'Angola vienne ou pas, la RDC est en train de changer son armement. La RDC est en train de changer son armement et Makasia a armé Nyonsu na Katamokilo yo. Et elle aura toujours d'abord sur son armement et sur les personnels qui utilisent cet armement. Parce qu'un militaire, on ne parle pas des militaires puissants qui défend l'intégrité du pays, n'a pas beaucoup à sa main vide, non. On dit qu'il est un bon militaire, puisque à sa démonstration, dans mon qui est à Tanango. La RDC est dans une bataille naïbité. Bon, le Rwanda et l'Ouganda, bonne chance. Ouganda et le Rwanda, bonne chance. Naocha Ouganda, puisque, n'a pas ça que bien, par exemple, alors que parmi les gens qui nous combattent, l'Ouganda est là. Même sur Alinko Laksangote, il est là. Libala na bango eza kitoko. Mais papa alinga kokota na ndako wana na moite batu bako mona ye. C'est comme ça ma bala eza entre Ouganda et Rwanda. Donc la RDC est en train de faire un effort considérable. Na moni armement oyo RDC azo commandé na tale na lobino. Ouganda yaka na yokaka mais il y a que Mindouki ou bah Congolais mutua qu'on utilise hein parce qu'on est en train de voir tout moi bah virus tout et zalaki bamsu bazoka ngabango boyebi na arrestation ya Yave qui avait aligné tous les Rwandais sur les lignes toutes les lignes de front que bah cédé bah fongolanze là pour na M23 yati na goma la plupart Rwanda bah kangabango na za écoute na liste dernièrement na ligana passe une liste bah kangabango on est en train de remplacer des Congolais soucieux de voir leur pays en paix. Mais ils seront maintenant soutenus militairement, non, matériellement. Et n'a habité ce qui, Rwanda, RDC ouya monela. Na ou RDC ezoya. Je pense que le Rwanda est en train de prendre, d'avoir une leçon. Le Rwanda est en train d'avoir une leçon. Donc, bref, l'Angola arrive et la RDC se prépare. Alors, le Rwanda prend bien toutes tes dispositions. Les choses vont vraiment bien évoluer à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un peu ça ce que nous pouvons juste dire par rapport à la situation. Il y a Rwanda, Angola et puis la RDC. Mais dans ces cadres, les lots de la Mouki, total abo. Chers amis, c'est comme si vous n'aimez pas cette émission. Bah, émission, et cause à la ketozo, l'obéla, Poutine, soki te l'obéla, yéna bien, YouTube, géré par les Américains, à l'ignité. Je vous demande d'aimer cette émission. Prenez une minute ou 30 secondes. Cliquez d'abord là, on a mentionné like. Je pense que ça sera une très bonne chose. Puisque les lots, nalina l'obéla, l'ikambouya, Poutine. Or, Poutine, on a soko le bélier, n'a n'enga bien, boyokani na, boyokani te, boyokana te, na ba, ba kolo ba YouTube, ba kolo ba, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Alors, comme je parle de son problème, je vous demande, s'il vous plaît, likez l'émission Oyo. Nous sommes à peu près 2600, oui, 2600, faisons même 2600 likes d'abord, et puis, nous allons évoluer. Tolali tolamouki, lelo, ces pays, Cour pénale internationale, annonce un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. À l'obi, vu tout ce que Poutine a fait, nous avons besoin de l'avoir ici, mort ou vif. C'est comme ça qu'on a toujours, qu'ils ont toujours cherché. D'abord, c'est mort ou vif. Alors, il lance un mandat d'arrêt et il donne même Bazope sa cagnotte Namoututo à Komemela, ce pays Poutine. Si on a tourné dans le lobby, boyebi place Poutine à Zalaka. Bino Bozana Mindoki. Vous avez tout.
C'est à vous d'aller saisir Poutine place à Zali. Boko n'est rien dans ces pays. Pourquoi Bozoti n'a pas été tout à l'heure, Boko, main vide, au Soki Moutoutou, à participer à la capture de Poutine, Boson Abiso, à Rosalana, à Rosalana. N'est-ce pas une, peut-être, hypocrisie? Oui, c'est de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous crions, nous, les Congolais, pourquoi une telle hypocrisie sur le plan international peut être, les Congolais peuvent vivre ça. Je demande ici aux amis de la CPI, de la justice internationale, la communauté internationale, mettez-vous en face. Bozoaka, il y a Poutine, Botiao. Bozuka, il y a Rwanda, Botiao. Est-ce que ce que Poutine fait à l'endroit de l'Ukraine est différent de ce que Paul Kagame fait à l'endroit de la RDC? Si oui, donnez-moi la réponse. Sinon, différence exacte. Pourquoi, oh, il y a Poutine, l'Ukraine a eu beaucoup d'appui. L'Ukraine a eu beaucoup de soutien. Et la RDC soutient exacte. Chers amis, regardez ce que je suis en train de dire. Tous les Congolais qui ont appris cette histoire, les lots, ils se sont dit, nous avons affaire à un tribunal de la honte. Puisque, oui, Poutine est mauvais. Je ne défends pas Poutine. Mais prenons les cas, il y a Poutine, passe à l'Ukraine. Bazo wele la mabele, ouana koutou c'est différent. Et zo yokana historique, et zo yokana nako, peut-être ce n'est pas le sujet du jour, nako bete le bino li solo. Bota la sansia bitouma na bango. Mais oyo, il y a Bissot, na Rwanda, na Paul Kagame, et ça sur base, il y a Mabelete. Sur base, il y a Kagame maintenant, il y a Mabele et Bimil Lelo. Que notre pays a été mal morcelé, une partie se retrouverait en heure de cette loque de Tolandayang. Mais tout ce temps, Kagame a compris que je dois me faire un peu de sous, de l'argent, pour soutenir mon pays en RDC, puisque là, tout est exposé, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a rien. Alors pourquoi je dois demander l'autorisation à qui? Quand il vient, il marche sur les Congolais, il marche sur les têtes, les crânes des hommes et des femmes, et il devient riche. On a compté des morts dont le Rwanda est impliqué, directement ou indirectement, plus de 10 millions. Pourquoi cette fameuse communauté internationale qui finance la CPI n'a jamais dit un mot? Paul Kagame est toujours libre. Les gens se posent aussi des questions. Vous avez vu aujourd'hui si la situation en Afrique est très grave aujourd'hui, c'est entre autres à cause de Sarkozy, qui a accepté de tuer Kadhafi, et après l'aniliwaya Kadhafi, Bamatisi, action, il y a mouvement terroriste à travers le monde, après Koboma Saddam, bah américain, après Koboma Kadhafi, et tous ceux qui soutenaient Kadhafi et Saddam pour leur liberté, bah Koti, bah Bino, nous devons aussi, il faut tout venger, bah américain, tout venger tous ceux qui soutiennent les Américains. C'est comme ça que les mouvements et Panzani Monde Mobimba. Est-ce que vous en parlez? Sarkozy est libre. La France soutient, finance parmi les contributeurs, il y a ces pays. Il y a la France, il y a les États-Unis. États-Unis, écoute, bah, signé charte, il y a ces pays. Nous vous donnons seulement de l'argent. Nous, on n'est pas là-bas. Puisque vous savez ce que vous avez fait avec Bush, le Moyen-Orient. On a pris. C'est comme si ces États-là, et comment qui dirigeaient par les Américains? Chers amis, est-ce que vous souvenez Hollande histoire, il y a combien d'Américains étaient sur les sols asiatiques, Nakadria, pour ça la loi na Bango, direction na Bango? Ils n'ont pas laissé tous ces pays-là libres. Ils ont imposé leur pouvoir avec de millions et de milliards d'argent, avec des matériels sophistiqués de toute la planète. On fabrique, on les expérimente au Moyen-Orient. Personne n'a parlé de cette violation.
Et personne n'a parlé de cette liberté de ces peuples. Bangotu, Bazalaka, toujours maté. Personne n'a parlé de ce que les États-Unis ont fait derrière Obama. Obama est resté pendant tout son mandat dans l'état de guerre. C'est un seul président, depuis que les États-Unis ont existé, Oyatikala pendant règne naïe, dans l'état de guerre, du début à la fin, 4 ans, et puis 4 ans, Moussous, état de guerre. Et il y a eu un moment où il s'est décidé d'utiliser plus la force aérienne que la force terrestre. En larguant, on comptait même 72 bombes chaque jour. Vous avez vu des bombes tomber naba fête à mariage naba salle et bombes tomber naba hôpitaux naba ba mususu bazana couveuse ba vous avez vu ce que ces gens ont fait. Silence radio. Vous avez vu ce que Cameroun et les autres, l'Angleterre qui a soutenu. Bon, je me pose la question. Est-ce que nous les Congolais nous pouvons avoir confiance encore en cette institution? Ici, je demande, par exemple, aux Congolais conscients que est-ce que nous pouvons boycotter là, ces pays? Nous pouvons nous retirer de la charte, il y a ces pays. Puisque ces pays, les Rwandais tuent chaque jour. Je vais vous donner peut-être cette courte vidéo. Dans cette courte vidéo, vous allez avoir une idée sur est-ce que nous avons, moi aujourd'hui, j'accuse les Rwandais, ou la question du Rwanda a été annoncée des années et des années, non pas par moi. Yeah. Massacré à l'Équateur. Voilà, ça fait très mal. 25 ans, bah, imagine, il y a des images de 25 ans, qui datent de 25 ans, pour vous montrer que nous avons toujours fait la même chanson. On chante, on compose, on conjugue les mêmes verbes. Le Rwanda est en RDC, le Rwanda tue, Rwanda is killing. Et tout ça, des observateurs nous regardent comme ça. Et aujourd'hui, ils sont pressés de se lancer sur Poutine. Oui, Poutine va être arrêté.
Est-ce que vous pouvez me dire, vous de la communauté internationale, vous qui dirigez la Cour pénale internationale, y a-t-il une différence entre ce que Poutine fait aux Ukrainiens et ce que le Rwanda, avec Paul Kagame, est en train de faire sur les sols congolais? Quelle image sur la RDC vous n'avez pas vue? Quel nombre, quel rapport vous n'avez pas lu? Et qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner les Rwandais? Pour aussi lancer un mandat d'arrêt contre les Rwandais? Et maintenant, là, ça devient pire. Nous avons vu en 2013, l'herbe a constaté que les Rwandais étaient sur le sol congolais. La France a condamné, a sanctionné les Rwandais, a coupé l'aide du Rwanda. La Grande-Bretagne, n'en parlons même pas, qui a coupé son aide. Tout ce qu'il y a comme aide bilatérale à l'époque, tout a été coupé. Nous avons vu les États-Unis sanctionner les Rwandais en coupant tout. Mais aujourd'hui, on leur a donné même d'autres images. Il y a satellite où ils allaient quitter. On leur a donné tous les rapports possibles. Ils ont dénoncé, oui, les Rwandais, nous demandons aux Rwandais de quitter la RDC. Et ils se sont arrêtés là. Est-ce que ces gens sont avec nous? Est-ce que ces gens, un jour, peuvent penser, nous pouvons nous considérer que nous sommes seuls? Nous sommes seuls. C'est pourquoi moi, j'ai toujours demandé que prenons-nous en charge. Travaillons sur notre propre sort. Sorry, Tozeli, que non, les États-Unis viendront barouillater. J'ai vu même des photos qui circulent ici, les Rwandais avec la France. Bon, maintenant, comme nous, on a toujours la manipulation, je pense que ces photos ne sont pas des photos de la France au Rwanda. Je vais vous expliquer dans quel contexte ces photos ont été prises. J'ai vu ces photos ici, et PCP, bah, Congolais, n'a aucun débat, moko groupe, Nazalaki, bah, Congolais, Bélé, Bazui, Kanda. Comment la France peut aller donner des armes aux Rwandais alors que la France sait que nous sommes ensemble, nous sommes en conflit, mais surtout, il fallait que la France s'abstienne. Alors, je devrais peut-être dire un mot par rapport à ça, que ces photos ici, Eza na Rwanda. Je dois expliquer ça et je dois vous montrer quelques preuves. Oui, effectivement, il s'agit ici d'une... Vous êtes en train de voir la base militaire française avec les militaires rwandais. Effectivement, ils sont ici au Gabon. Ce n'est pas au Rwanda où les Rwandais a reçu ndenge na yokiba congolais mususu na yoki toza na kanda na biso. Je sais que nous sommes en colère et ce n'est pas les Rwandais qui a reçu, mais c'est la France qui a reçu les Rwandais au Gabon na quartier général na bango bazaka na base monene oyesika ba pesa ka commandement na bango ndenge commandement américain et ba sala pe na Afrique de l'Ouest. Alors maintenant, c'est une délégation du Rwanda qui est allée rendre visite à la base militaire française basée au Gabon. Et même si vous allez remarquer ici que... Donc, Basalaki exposition, pendant qu'on a dit ça, le Rwanda a fait une recherche à Mindouki. Bon, Basalaki exposition que... voici tout ce que nous avons, voici comment nous les utilisons, voici, et bon, je ne sais pas si c'est dans les cadres sûrement d'avoir de matériel. Les Rwandais sont en train de chercher par tous les moyens maintenant des équipements pour combattre la RDC. Puisque bah, Monique et RDC, ils ont la chasse, Yakoluka, Yakoluka Mindouki. Alors ça, ce n'est pas en RDC, et ce n'est pas au Rwanda. Et puis vous allez le remarquer même sur cette photo, vous verrez qu'ils sont dans les bureaux. Et si c'était au Rwanda, on ne pouvait pas manquer les drapeaux de l'armée rwandaise ou du pays, le Rwanda, dans ces bureaux. Vous verrez que dans ces bureaux, il n'y a que les drapeaux de la France. Donc, Bazosa et la Bango projection, c'était au courant de la semaine ici, il y a 2 jours ou 3 jours. Alors, Bazosa et la Bango projection pour leur montrer ce qu'ils ont comme matériel. Mais curieusement, ce qui est un soldat français,
La carte qui est à côté de lui, c'est la carte de la RDC. Je ne sais pas si vous le remarquez. Regardez les deux officiers qui sont là. Il y a un Français et un Rwandais. Regardez juste à la droite de ces Français-là. Et le coin des ans, rond, il y a noir, na katia et le coin, il y a la carte de la RDC. Il y a un autre dans le bibino, Bozana Gabon. Vous parlez maintenant du Rwanda. La carte est à RDC, na bureau, na bino, et yé kosa la, nini. Pour décorer, il fallait bocha ba carte à France, ça va. Bocha ba carte à Rwanda, ça va. Bocha ba carte à Gabon. Mais je vois à sa droite, Miss Nangaye Kei Etali, et vous verrez que il s'agit d'une carte de la RDC. Alors, ces gens dorment et se réveillent avec la RDC dans leur tête. Voilà un peu, chers amis, ce que nous, je peux peut-être dire aujourd'hui, mais une chose est vraie, les Congolais sont en train de s'organiser. Les Congolais sont en train de s'organiser puisque le 24 juin, les Congolais de la diaspora se retrouvent en Belgique au Babengi Sommet, le 24 juin. Votre serviteur sera aussi en Belgique. Chers amis, tous en sommet wana te. Na rozala pe na kata sommet wana. Bana Belgique nazoya, bana France nazoya, to rozala na sommet ba congolais ba organiser na Belgique. Ils vont parler de toute cette question. Moi aussi, je serai là, je parlerai aussi et je demande à tous ceux qui sont dans les environs baye ba que cette histoire-là, ce sont des Congolais. Et Zaka biso moko mututoko lobayango. Ce qui t'olobite, et qu'on a le problème. Donc, il faut biso, tous à la journée, na Belgique, je vais vous donner tous les détails, mais programmez déjà, c'est le 24 juin. Programmez déjà, na ba congé, na ba nini. Et puis, équipe Aska Today Pembeni, 24 juin, nous sommes en Belgique pour parler RDC 100%. Alors, voilà, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, je vous demande de rester toujours vigilant. Posons la question à la CPI. Est-ce que tout à l'heure, il y a un numéro, il y a un appel à un contact à la CPI. Tout à l'heure, dans la CPI, qu'est-ce qui a poussé la CPI? Il y a qu'au ça, la mandat d'arrêt contre, mandat d'arrêt plutôt, contre Poutine, Oyo, Paul Kagame n'a pas pu faire en RDC. Pourquoi il y a Poutine, ça avance très vite? Il y a RDC, on n'en parle pas. Puisque Poutine a attaqué la Russie, l'Ukraine. Les Rwandais attaquent la RDC chaque jour. Pendant ce temps, tous à la qui sous embargo, moyen tous sont baba minou qui a la quitté, moyen que tout participé à la formation et a la quitté. 25 ans, tous à Liboy. 25 ans, on a compté plus de 10 millions de personnes. Mais na Ukraine, on ne va compter plus de 10 millions. On ne va compter même plus d'un million. Alors, qu'est-ce qui pousse la communauté internationale? Qu'est-ce qui pousse la CPI d'accélérer les dossiers? Il y a Ukraine, Bakanga, Poutine, mais dossier à RDC abandonné. Je pense que vous allez avoir, je vais vous mettre leurs coordonnées ici. Vous prenez votre téléphone, vous leur posez la question. Dites-nous. Quelle différence il y a entre ce qu'a fait Poutine en Ukraine et ce que le Rwanda a fait en RDC? Ce qu'a passé une réponse au cas de téléphone ici, non. Mais notre peut-être combat sera de nous retirer de toutes ces institutions flatteuses. Oyo, bazo flatte biso. Ah, nous sommes là, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous et nous allons vous mettre un pont aérien, d'aide humanitaire, tout ça. Pendant que nous, on compte des morts chaque jour ici. Merci beaucoup, chers amis. Essayons de faire ça. Appelons Batouana. Tout ce qui est en contact avec ces pays, vous avez un numéro dans l'Union, vous avez un numéro, ce que vous faites en Ukraine, c'est bon. Mais pourquoi vous ne le faites pas au Rwanda? Et après, tu as dit campagne na biso ya de nous retirer de la CPI. Biso tout ça le tribunal pénal na biso. On va juger tous ces problèmes et puis ici la nangoka. Parce que tu m'as dit que ça c'est une justice à double vitesse et on ne peut pas accepter ça. Donc nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec un nouveau numéro qu'on appelle Masolo Kati Lobby.
oyo to solo la ka to benga na ka et puis mutuna mutu abeta le solo na ndenge na ye tout au long de la semaine. Je vous retrouve demain. Alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Salutations à vous tous qui nous suivez depuis Kalemie, dans les grands Katanga et partout ailleurs. Bonne soirée chez vous et bon week-end. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech. Belcotech Construction. Belcotech. Belcotech Installation Domestique et Industrielle. Innovation Technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioHerbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Koko ya suka mboka Ashka, Ashka, Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamama na este Bobatelama Bobatelama na zame o Shaba motema pasie bana bunaganda e
Nzambe alola abatela mina Nzambe Constant Dima beta 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 matusa beta matusa eh et FARTC l'équipe en marche la police nationale mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Jene Jene Patriotic Ah Kembo Ah Kembo Pot Tomalanda Akongo Mongali Zemio kosema na lelio na tonio koto na zakoma ye 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 papa na ye basusu bakanisa kazoto eza kotonga boye bakalo kuta ebo makazoto na na lelio bolingo ya papa ye papa Batela zoto ye Yangwe zalite pelo ya molimo Molimo monsatu ye Aleluya ke bonanza Ma San Joli Ezonga na yo zakoma Na toni okoto na zakoma Ye 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 yo yo Oh Haleloyo Zambe na kongo Zambe na nguya e Atonda na bolingo Yonde monsatu heto kumisio Moko na kongo Ato na boli ngogo Mwana na nzambe Obongi na kemo Tu es malheureux